Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau arc-en-ciel. Arc-en-ciel, mais pourquoi arc-en-ciel? Parce qu'on adore le girly. Le quoi? Le girly. Le girly? Comme ça. Donc voilà la définition du girly de Louane. C'est ça? D'ailleurs, si vous aussi vous aimez le girly, dites-le nous en commentaire et laissez un max de pouces bleus. Donc on est en route pour le gâteau arc-en-ciel, on est prêt? Oh oui. Oh oui, allez, suivez-nous, c'est parti. Pour cette recette, il nous faudra du sucre, des œufs, du colorant alimentaire, du sucre vanillé, de la levure, de la farine, du lait et de l'huile. Je commence par casser les œufs. J'ajoute le sucre et je fouette. J'ajoute l'huile et le lait. Le sucre vanillé. Et je termine avec la farine et la levure. Je divise la pâte dans 6 bols. Je mets une goutte de colorant dans chaque bol. Et je mélange. Je récupère un moule beurré et je verse petit à petit les pâtes. Et voilà, les gâteaux arc-en-ciel est terminé. Et c'est hyper réussi. Alors, je sais pas si vous l'avez reconnu, c'est pas un gâteau comme les autres, c'est le zebra cake. Nous, on l'avait fait la dernière fois en deux couleurs, on avait fait vanille chocolat. Mais là, aujourd'hui, Louane, tu nous l'as fait multicolore. Toutes les couleurs, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui. Il est vraiment réussi. Donnez-nous vos impressions sur le zebra cake multicolore de Loulou en commentaire. Nous, on vous fait une avalanche de gros bisous colorés. Si c'est pas encore fait, venez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Snapchat et Instagram. On vous aime très fort et on se retrouve dès vendredi à 17h dans une nouvelle recette vidéo. On vous aime. Ciao.